Hello tout le monde, on se retrouve pour vous parler du tout nouveau Life is Strange qui vient tout juste de sortir. Il s'agit du double exposure et il reprend la suite du premier Life is Strange qui était sorti initialement en 2015. Dans ce jeu, on suivra de nouveau les aventures de Max Caulfield qui ne sera plus lycéenne, mais assistante photographe dans le campus de Caledon. Même si elle s'était jurée de ne plus jamais utiliser ses pouvoirs, elle va devoir se confronter à une toute nouvelle intrigue et enquête policière. Comme tous les Life is Strange, le jeu est basé sur du narratif, il y a donc beaucoup de dialogues et de cinématiques. Et concernant le gameplay, il y en aura peu car l'aventure est surtout basée sur l'histoire et les personnages. Mais on devra quand même explorer les environs, interagir avec les éléments du décor, et bien évidemment de faire des choix qui auront des conséquences sur la suite des événements. D'une réponse à une autre, les relations que l'on entretiendra avec les protagonistes seront différentes et pourront changer une partie de l'histoire. Les pouvoirs de Max auront également un grand impact dans l'aventure. Dans Double Exposure, on sera capable de voir certains événements et de voyager entre deux réalités alternatives. Ces déplacements temporels sont au centre de l'histoire, et c'est grâce à tous ces allers-retours que l'on pourra en apprendre davantage sur ce qui s'est réellement passé. Au fur et à mesure, on s'habituera vite à la vie sur le campus, et il faut tout de même avouer que les personnages et les lieux sont très attachants. L'ambiance qui y règne rend le jeu agréable, et la voix française est très réussie. Les lieux et les graphismes sont aussi très jolis, les OST sont apaisantes, et le tout réuni ajoute un certain charme au jeu. L'histoire est divisée en 5 chapitres, et tout le long, on devra tenter de découvrir la vérité. Je dirais qu'il faut en moyenne 2 heures pour terminer chaque chapitre, ce qui nous fait un total d'environ 10 heures de jeu. Personnellement, j'ai trouvé que l'intrigue et le scénario étaient plutôt accrocheurs au départ, mais l'histoire perd un peu son fil conducteur à partir du 3ème chapitre. Sans trop vous spoiler, j'ai eu un peu de mal à suivre ensuite, j'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens, et qu'il n'y avait pas vraiment de grosses surprises ou de gros retournements de situation. Les choix que l'on a à faire ne sont pas aussi importants que dans les opus précédents, et certaines intrigues restent floues, voire inachevées. On a vraiment un sentiment que le jeu n'est pas abouti. En plus de ça, on sera souvent bloqué par des murs invisibles, il y a aussi quelques bugs de texture, certains passages paraîtront mous et lents, et je dirais qu'il faut être assez ouvert d'esprit, puisqu'il y a pas mal de messages percutants et de scènes LGBT. Pour conclure, je dirais que ce jeu est principalement fait pour les fans du premier Life is Strange. Du coup, je recommande d'avoir joué au premier, car il y a énormément de références. Mais malgré tous les défauts que je viens de citer, il reste tout de même très sympathique à explorer, malgré que les pouvoirs temporels et aller-retour dans les dimensions peuvent être barbants. Selon moi, il mérite tout de même un bon 12 sur 20. Donc ben du coup, voilà pour mon avis sur ce jeu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle t'a aidé comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner, tous mes liens sont dans la barre d'infos, et moi je te dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye!